Alors on a commencé le travail. On a fait connaissance avec les uns, avec les autres. Et très vite, on a vu la femme à cœur laisse pointer. Elle est jolie! Elle est jolie! Tu ne parles pas, tu ne lui réponds pas. Cette femme, c'est une faiseuse d'histoire. Ouais! Fort comme un taureau! Bon sang, Mini! Je t'avais dit de la boucler! Enfin, pour un peu, on perdait notre travail. Si tu veux, je vais m'en aller dans la montagne, me chercher une caverne, où je vivrai tout seul. C'est moi qui ai voulu rester. Non, Lénie, je veux que tu restes avec moi. D'accord? Les autres types, ils n'ont pas de famille. Puis il n'y a personne au monde pour se préoccuper d'eux. Mais pas nous! Non, pas nous. Parce que moi, je t'aime. Je porterai de belles toilettes. Ah, c'est sûr que sa femme, c'en est une qui a pas froid aux yeux, hein. Et l'autre, il continue à le tabasser dans le ventre, dans la figure, dans les yeux. Lenny, il se cache la tête dans les mains. Fais laisser ses jambes. Vas-y, mon sang. Elle avait besoin de compagnie. Tout le monde a besoin de compagnie. Georges! Je savais que tu me laisserais pas. Georges! Je savais que t'étais pas un type à faire ça. Georges! C'est le vieux Candy qui a trouvé la femme dans l'écurie. Il a d'abord cru qu'elle dormait, couchée dans le foin. Et il m'a appelé. Il y a des choses qu'on est obligé de faire.